Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation, tout de suite le sommaire. C'est désormais une des priorités du gouvernement, il faut plus d'éducation à la sexualité à l'école. Alors comment y arriver? En quoi est-ce primordial pour nos enfants? On en parle tout de suite avec nos invités. En deuxième partie de l'émission, on vous présentera Sinfolia, un nouveau projet d'œuvre monumentale à la Philharmonie de Paris. L'artiste à l'origine du projet nous dévoilera tout. Enfin, dans Quoi de neuf sur les réseaux, Michaël Dorian nous parlera d'un nouveau réseau social qui a un succès fou chez les jeunes aux États-Unis. Michaël, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors à la une de l'actualité éducation de ce jeudi, le prix Goncourt des lycéens. Prix décerné ce jeudi à Sabil Goussou pour son roman Beyrouth sur Seine, organisé par la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale depuis 1988. Le Goncourt des lycéens a mobilisé cette année 2000 lycéens de toute la France. Les délibérations se sont déroulées à Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes. Le résultat a été annoncé par une élève de terminale du lycée Thomas Hélier de Cherbourg en Cotentin. Depuis la mairie de Rennes, je vous propose de regarder. Le prix Goncourt des lycéens 2022, organisé par la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, sous le haut patronage de l'Académie Goncourt, a été attribué à Sabil Goussou. Pour son roman Beyrouth sur Seine, publié aux éditions Stock. Le Salon de l'Éducation ouvre ses portes demain, Michael. Ce vendredi, le Salon européen de l'Éducation au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Il sera question d'orientation, de Parcoursup, du bac ou encore de harcèlement scolaire. Bref, tous ces sujets dont on parle régulièrement dans le Grand JT de l'Éducation. À noter que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sera présent tout le week-end. Après la réforme du lycée, bientôt la réforme du collège. Selon Pape Ndiaye, le collège est le maillon faible du système éducatif français. Les résultats à venir des dernières évaluations montrent que 20% des élèves de 6e sont en difficulté scolaire, voire en grande difficulté, notamment en français et en mathématiques. Alors après les dédoublements de classes du primaire, de la réforme du lycée engagée sous le quinquennat précédent, le ministre de l'Éducation nationale s'apprête à ouvrir le dossier du collège pour tenter de redresser la barre. Il cible notamment la classe de 6e qualifiée de classe charnière par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. On termine avec une jolie idée, celle de faire valider le menu de la cantine par les élèves directement. Bah oui, parce qu'on a toujours l'image de ce menu imposé à la cantine qui ne plaît pas toujours, qui plaît même rarement. Finalement, moi je me souviens, en général, je mangeais le pain avec le fromage. Je laissais le reste sur le plateau. D'où ce corps. Exactement. Bon. Alors, eh bien, figurez-vous que dans les Alpes-Maritimes, Virginie, les élèves d'une école primaire ont goûté des plats afin de préparer les futurs menus de la cantine. Les élèves ont testé plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, et ils ont ensuite indiqué sur une feuille si le plat leur plaisait ou pas en entourant le smiley correspondant. Pour qu'un plat soit validé et apparaisse donc au menu, il doit obtenir au moins 70% d'avis favorables. Donc pour tous les enfants qui nous regardent, s'ils veulent devenir Michaël Dorian, ce corps superbe, tac, tac, il coche que le fromage et le pain. Merci beaucoup Michaël. Allez, comment mieux aborder l'éducation à la sexualité à l'école et surtout comment faire pour que cet apprentissage ait vraiment lieu? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Maëlle Chaland-Belval. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Comitis, un organisme spécialisé dans l'éducation affective et sexuelle. Et je suis également ravie d'accueillir Inès de Franlieu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale chez Comme je t'aime, une association qui propose également une éducation affective, relationnelle et sexuelle aux jeunes. Alors, on avait déjà fait une émission, bien sûr, sur School TV, sur ce sujet, pour parler d'éducation à la sexualité, à l'occasion, justement, d'une enquête réalisée par le collectif Nous Toutes, qui révélait que la loi n'était pas appliquée, ou presque, ou de temps en temps, ou comme on pouvait, ou si on avait le temps, ou si on, éventuellement, voilà, avec plein de « ou » et de « si » de conditions systématiques. Depuis 2001, la loi qui prévoit donc 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité, du CP à la terminale, eh bien, nous sommes quasiment un an après. Est-ce que ça a changé, Maëlle Chaland-Belval?
En fait, c'est plutôt un constat qui a été corroboré par un rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur, de la recherche, du sport, et qui a en fait analysé toute cette situation de l'éducation à la sexualité en France, qui a souligné cette disparité entre les établissements, entre les académies. Donc il y a vraiment des établissements, des chefs d'établissement, des équipes qui sont moteurs, mobilisés, qui essayent de mettre en place des actions, et puis d'autres qui sont beaucoup plus inquiets, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus démunis aussi sur l'éducation à la sexualité. Donc en effet, le constat est là, les élèves ne bénéficient pas de leurs 3 séances par an, et même le constat est le suivant, un grand nombre d'élèves ne bénéficient d'aucune séance d'éducation à la sexualité dans tout leur parcours d'élève. Alors évidemment, on va énumérer le nombre de, enfin, les raisons hein, pour lesquelles ces cours sont absents ou pas... ou pas dans les normes de la loi qui a été définie en 2001. Pape Ndiaye, le ministre donc de l'Éducation, s'est exprimé sur le sujet à de nombreuses reprises depuis la rentrée. Il a dit qu'il faisait de l'éducation à la sexualité une priorité. Dans les faits, est-ce qu'aujourd'hui les élèves ont plus de cours, Inès de Franlieu ? Est-ce que vous avez été davantage sollicité, par exemple, par les écoles pour venir en parler ? Ah oui, moi je crois que quand même il y a des progrès. Et oui, je trouve qu'on a quand même de véritables demandes et on voit des chefs d'établissement quand même qui se préoccupent de cette question et qui se mobilisent. Alors c'est vrai que pour eux, il faut quand même aussi reconnaître qu'ils ont aussi des examens à faire passer à leurs élèves. Donc tout ça est un agencement qui n'est pas facile pour eux non plus à mettre en place. Mais moi je constate quand même, j'imagine que Maëlle doit le constater aussi comme moi, qu'on est quand même sollicité pour pouvoir répondre à des demandes vraiment des établissements scolaires. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux examens qu'ils ont à passer, à faire passer. C'est vrai que les enseignants ont beaucoup de rôles à jouer. Le premier, effectivement, eh bien, c'est l'enseignement, de fabriquer aussi des citoyens de demain. Et ce qui fait partie justement des citoyens de demain, c'est aussi apprendre à pouvoir gérer les émotions, les sentiments, à connaître son corps, le rapport à la sexualité et à la vie affective. C'est pour ça d'ailleurs que cette loi a été promulguée. Est-ce que c'est trop lourd, à votre avis, Maëlle Chalon-Belval, pour les enseignants, de porter toutes ces responsabilités? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école? C'est lourd de porter toutes ces responsabilités. Ils ne doivent pas les porter tout seuls. Un enfant ne s'élève pas complètement à l'école. Un enfant, il est élevé par sa famille, il est élevé par la société et il est aussi formé par l'école. Donc c'est une complémentarité d'acteurs qui permet une éducation à la sexualité qui tient la route. L'école a quand même un rôle à jouer, c'est très important. Il y a un an, il y avait le rapport de la Civise, là, de la CIAZ, puis de la Civise il y a quelques mois, sur la prévention des violences, des abus sexuels. Donc il y a aussi tout ce volet sur lequel l'école est quand même aux premières loges. Vous voyez, elle voit des tout-petits, elle voit des enfants du premier degré qui peuvent parfois être dans des relations violentes, des relations incestueuses. Qui peut les voir si ce n'est l'école? Voilà. Donc l'école a quand même un rôle de vigie, mais elle a besoin d'être accompagnée parce que la tâche est massive, la tâche est lourde. Alors justement, accompagnée, c'est tout à fait l'un des problèmes majeurs que rencontrent effectivement l'école et les enseignants dans son ensemble. C'est le problème de la formation justement des enseignants à ce sujet, au sujet de l'éducation à la sexualité. Est-ce qu'il y a un manque de formation des enseignants selon vous, Inès de Franlieu ? Oui, absolument. Alors, c'est pour ça aussi que je pense que dans nos associations, nous avons toujours un petit peu ce dilemme. C'est, et d'une part, que les élèves soient ensuite accompagnés par ceux qui sont proches. Du coup, nous demandons que les professeurs, enfin un professeur puisse nous écouter quand nous parlons aux jeunes. Pour qu'il y ait une vraie transparence entre ce que nous disons, entre que l'établissement sache exactement, voilà, que ce soit transparent. En même temps, on sent bien qu'il faut que les élèves, surtout quand ils grandissent, puissent avoir des lieux où ils puissent s'exprimer librement. Donc tout ça est un équilibre à trouver. Et nous proposons aussi, voilà, au cours de journées pédagogiques, de parler, de former tous ceux qui sont autour des élèves, parce qu'il n'y a pas que les professeurs. Moi, je pense que, vous voyez, ceux qui sont des surveillants de cantine, des surveillants de cours de récréation, sont en fait vraiment
au quotidien, proches des élèves et peuvent entendre beaucoup de choses. Et on voit bien que quand on n'a pas été formé, on préfère ne pas entendre. Ou alors, quand on a entendu, on punit ou on gronde l'enfant et tout ça ne fait pas avancer, j'allais dire, le schmilblick. Donc, oui, je pense qu'il faut aussi penser la formation des acteurs qui sont au sein de l'école et pas simplement avoir des formations pour les élèves. Je lisais dans une interview cette phrase de Sylvie Pierre-Brosselette, hein, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En matière d'éducation à la sexualité, la France a 20 ans de retard, je cite. Mais c'est aussi la baseline du planning familial, et je l'ai encore regardé tout à l'heure. Éducation à la sexualité, l'État sèche les cours depuis 20 ans. Donc même le planning familial s'en prend à l'État. Est-ce que aussi il y a un manque de moyens financiers, très clairement? C'est-à-dire que pour mettre ça en place, heureusement, vous êtes là, toutes les deux, avec vos associations, avec votre courage. Plein d'autres le font aussi, ces efforts. Mais on voit souvent que ben, finalement, c'est les civils, c'est les citoyens qui se disent « Nous, on va y aller, on va aider. » Mais peut-être à l'État aussi d'imposer plus. Oui, il faut que ce soit une collaboration. Et il y a différents axes d'efforts, comme vous le dites, des efforts de formation, des efforts de dotation horaire. Hein, ce qui est souligné là, dans ce rapport récemment sorti, c'est finalement, vous voyez, ces séances, il faut les caser entre les cours, sur des temps de midi, notamment pour les lycéens. Vous voyez, ils sont au seuil de leur vie sexuelle active le plus souvent. Et à ces moments-là, on nous dit, oui, mais il y a le bac, il y a le bac, il y a le bac. Donc, vous voyez, pendant 2 ans, première et terminale, ce sont des années où c'est assez difficile d'intervenir en éducation à la sexualité parce qu'il n'y a pas de dotation horaire. Donc, il y a un certain nombre d'axes de progression que l'État peut mettre en place, y compris un suivi, un inventaire régulier de ce qui se fait et presque, on va dire, une programmation, parce qu'en fait, il n'y a pas de programme d'éducation à la sexualité. Alors, effectivement, une programmation, une dotation d'heures, mais quand je vois mon fils qui est en 5e, qui arrive à l'école à 8h30 et qui rentre après l'étude le soir à 19h à peu près à la maison, je me pose la question, effectivement, du temps imparti, effectivement, qui est certes très important, mais où est-ce qu'on le case? À quel moment? C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être, je pose la question, est-ce qu'il faudrait que par exemple dans les cours de SVT, dans les cours, je ne sais pas, de EMC, on place aussi cet élément essentiel qu'est l'éducation à la sexualité? C'est une question que je vous pose, Inès de Franlieu. Alors, je rebondis aussi sur ce que Maëlle Chalon-Belval vient de souligner pour le lycée. Je crois qu'il y a une nouvelle difficulté qui apparaît avec le lycée, c'est que la multiplication des orientations, des options, fait qu'il n'y a plus de groupe classe. Et ça, ça devient compliqué pour organiser ces interventions, parce qu'en fait, les élèves se croient tout le temps. Et c'est plus, je crois, un peu plus difficile qu'il y a quelques années d'intervenir en lycée pour ces raisons-là. Alors, quand vous parliez des cours d'SVT, je crois que, de fait, il y a quand même à de nombreuses reprises la SVT sur les cours de la reproduction, donc de l'appareil génital, etc. Mais on sent bien que lorsqu'on parle de sexualité humaine, eh bien, il y a aussi tout le volet affectif qu'il faut travailler, qu'il faut révéler aux jeunes. Et pour ma part, c'est vraiment pour moi ce volet qui manque énormément. Et oui, parce qu'en termes de sexualité propre, c'est-à-dire vraiment du corps sexué, de la génitalité et de la biologie, je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même des cours. Hein. Ça commence au CM2 et puis régulièrement au cours du collège, toutes ces questions sont abordées en termes de biologie et de SVT, mais je crois qu'il y a vraiment à porter le volet affectif. Moi, c'est ça qui me semble très important. Oui, affectif, mais aussi on parle de biologie, effectivement, et du corps, du point de vue purement génétique. On parle de reproduction, mais la sexualité est forcément, enfin, peut être dissociée, et fort heureusement, de la reproduction. Donc c'est aussi ça le point, et puis c'est le rapport au corps et le rapport à soi. En fonction du cours que vous faites, j'imagine, en CP, et le cours qui se fait effectivement en première au terminale, ce n'est pas du tout le même sujet d'ailleurs. C'est vrai. Donc les tout-petits sont souvent plutôt formés sur finalement la valeur de leur corps et l'intégrité de leur corps. Alors ça, c'est un mot de grand, mais c'est celui des droits de l'homme. C'est-à-dire, ton corps est précieux et ton corps est protégé par la loi. Et voici comment tu peux apprendre à en prendre soin, y compris en le nommant. Vous voyez, c'est les tout premiers pas qu'on fait en éducation à la sexualité. Et puis après, ben, vous voyez, ça se déploie avec les collégiens, les lycéens.
Je disais 20 ans de retard, on va en parler tout ça, parce qu'on va reparler en fait tout simplement de l'intérêt de ces cours, les raisons en fait, les enjeux. Et on va les préciser, ça paraît tout à fait évident, mais j'aimerais quand même y revenir. Mais dernière question par rapport aux 20 ans de retard, parce que ça me sidère vraiment cette idée. Ça me semble d'autant plus paradoxal que la société actuelle est tout à fait portée sur les réseaux sociaux et on a l'impression qu'au contraire, alors nous tous, hein, peu importe l'âge d'ailleurs, mais les jeunes en particulier sont hyper sexualisés dans les images qu'ils regardent, ce à quoi ils font face toute la journée via les portables et via les images sur Internet. Alors, ils sont très exposés à des contenus sexualisés. Heureusement, eux ne sont pas forcément hyper sexualisés. Voilà, moi je trouve que les adolescents sont des super adolescents. Certains ont des comportements très sexualisés, voire très sexistes, qui peuvent être liés au contenu aussi auquel ils sont exposés. Mais ils ont très envie, ils sont demandeurs. Comme vous dites, il y a un retard, mais la base pousse. Les parents, eux aussi, de plus en plus, voyez, montent dans le bateau. Mais les adolescents, c'est certain, sont très demandeurs de ces séances. Alors les parents, parlons-en. Inès de Franleu, comment réagissent les parents quand, par exemple, vous intervenez dans ces établissements ou que tout simplement, eh bien, vous êtes avec eux parce qu'une situation a amené à ce qu'un enfant et un parent vous rencontrent. Est-ce qu'ils sont friands? Est-ce qu'ils comprennent l'intérêt? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'ils se posent la question de savoir cette triangulaire, est-ce qu'elle est intéressante? Enfin, comment réagissent-ils? Écoutez, moi j'ai le sentiment que parfois c'est un petit peu étonnant quand on propose des réunions de parents, des conférences sur le sujet dans le cadre scolaire, sachant que leurs enfants vont avoir une intervention. Je vois que les chefs d'établissement sont parfois un petit peu fatigués de proposer ce genre de réunion parce que les parents ne sont pas très demandeurs. C'est-à-dire que moi je suis personnellement étonnée du peu... Enfin, voilà, les parents ne viennent pas forcément à la réunion. Alors, j'ai vu quelque chose qui sans doute, a amélioré les choses. En fait, c'est le confinement, parce que nous avons fait nous avons proposé ces réunions aussi en Zoom. Et je peux le comprendre, les parents rentrent chez eux déjà tard le soir, fatigués. Ressortir pour aller à l'école, écouter une conférence ou écouter ce qui va être dit à leurs enfants dans les jours qui suivent, bon, on peut les comprendre aussi, c'est fatigant. Mais personnellement, je suis toujours un peu étonnée quand même de l'espèce de, peut-être pas de désintérêt, mais en tous les cas, l'école s'en occupe, et ben voilà, c'est bien. Alors vous voyez, c'est étonnant ce que vous dites, parce que je suis moi-même parent, et en l'occurrence journaliste, et donc je reçois plein de gens ici sur ce plateau, et puis j'en discute aussi avec beaucoup d'amis et beaucoup de gens de l'extérieur. Et c'est vrai que moi je trouve ça formidable justement que ce soit dans l'enceinte de l'école, pour justement qu'il y ait une sorte d'enclave, un petit cocon dans lequel les adolescents, les enfants puissent échanger, pas de manière anonyme parce que ils sont forcément avec leurs camarades, mais qui peuvent échanger avec effectivement un formateur, un professeur, quelqu'un d'une association, mais pas avec leurs parents pour pouvoir poser des questions en fait peut-être sur lesquelles ils seraient gênés face à leurs parents. Le rôle des parents et le rôle de l'école sont complémentaires auprès des enfants. Je pense que souvent on a posé la question de manière binaire. Soit on nous dit c'est aux parents de le faire, soit on nous dit non, c'est le rôle de l'école, les parents ne sont pas très légitimes. Moi, je suis attristée qu'on pose le débat sous cette forme-là. Je pense que les parents ont un rôle très important à jouer. Ils transmettent déjà par l'exemple, parce qu'un enfant, ça apprend la vie affective, ça apprend les relations, ça apprend la gestion des conflits, d'abord en regardant ce qui se passe autour de lui. Et puis l'école, elle aussi, a son rôle. Elle a la possibilité de travailler avec le groupe. En effet, vous voyez, le groupe de pères, c'est vrai que c'est très précieux en éducation affective et sexuelle parce que ça permet de travailler le discernement. En fait, l'éducation à la sexualité, c'est une éducation au discernement, puisque la question qui va se poser pour ces jeunes demain, c'est qu'ai-je envie de faire de ma vie, comment je veux construire mon projet d'existence, ma vie relationnelle, mon rapport à mon corps, mon rapport à la sexualité, mon rapport à la fécondité. Vous voyez, c'est des questions immenses et l'école peut proposer une mise en réflexion précieuse sur ces questions-là. Alors, puisque vous en parlez, justement, ça me permet d'ajouter aussi, ça permet une amélioration de la prévention et de la réduction des risques en matière de santé sexuelle et reproductive, donc pour parler d'IVG par exemple, de grossesse non désirée,
intérêts d'IST, d'MST et autres, de lutter contre les stéréotypes de genre aussi, ouais. Car c'est là où on en parle, de lutter contre les violences sexistes, qui sont très nombreuses et qu'on voit de plus en plus, et les violences sexuelles, bien entendu, lutter contre la discrimination aussi, LGBT, et puis promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je le rappelle tout ça pour tous ceux qui nous regardent, parce qu'on pourrait se dire, tout d'un coup, on parle de sexualité, de personnes qui font l'amour. Non, c'est bien au-delà de ça, c'est bien au-dessus de ça. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, toutes les trois, si vous le voulez bien, car ces cours, on se pose tous la question, mais à quoi ressemblent-ils ces fameux cours? De quoi on parle? Alors, j'ai vu chacune pour l'une et l'autre, des interviews, des vidéos, etc. On voit des mots qui sortent. Alors, amour, qu'est-ce que ça veut dire? Sexe. Par exemple, Inès de Franlieu, comment se passe? Vous pourriez nous raconter en deux secondes comment se passe un cours ou en tout cas une séance, si je peux dire, avec vous? Alors, vous savez, c'est un petit peu variable selon les classes. Et voilà, je crois que notre but est quand même, dans un premier temps, pour les plus jeunes, vraiment ce rapport au corps. Mon corps est beau. Le corps sexué, c'est pas quelque chose qui doit être tabou, qui est sale. Voilà. Et donc, on essaye déjà de leur montrer qu'au-delà du fait que le corps sexué permet d'aller faire pipi, évidemment, en fait, il a une plus grande finalité, vous voyez, et de les éveiller à ce que ce corps est appelé un jour à faire, c'est-à-dire cette sexualité qui est quand même ce rapport à l'amour, le fait que la sexualité soit le langage du corps qui dit combien on s'aime. Et je crois que c'est... Moi, je vois une vraie urgence, si vous voulez, à rassurer les enfants. Parce que soit on leur a jamais vraiment parlé du corps, soit on leur dit « cache ce corps, comment tu te tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, voyez, on sent quand même encore beaucoup de tension sur des adultes vis-à-vis du corps d'un enfant petit, etc. Et puis, plus grand, je crois que évidemment, comme vous le disiez, le fait que les enfants soient très, très confrontés aujourd'hui à un monde hypersexualisé au travers des images, des médias, il y a aussi une forme de peur. Peur du corps qui doit être performant. Voilà. Et je crois qu'il y a à beaucoup rassurer. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui doit être performant. Et moi, j'aime relier corps et cœur. Voilà. Que la sexualité humaine, elle a quelque chose à voir avec le rapport à l'autre, c'est-à-dire avec les sentiments que j'ai et que j'éprouve pour l'autre. Et je crois que aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans cette technique qui doit être performante. On est dans un monde de performance et en fait, ça finit par faire peur. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce qu'il faut que j'en passe par là, hein, les filles qui me disent, est-ce qu'il faut absolument à un certain âge avoir eu un acte sexuel? Est-ce que comme ça, je vais m'attacher celui avec lequel j'ai un sentiment amoureux? Voilà, donc il y a vraiment à libérer beaucoup de choses, à rassurer. Et je partage absolument ce que vient de dire Maëlle, qu'est-ce que tu veux vivre? Voilà, quel est ton rapport avec ce corps, avec le rapport à l'autre? Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à, voilà, qui est pour moi de l'ordre de rassurer, d'émerveiller. Voilà, ce corps, il me permet d'aimer. Et moi, je trouve que c'est vraiment un axe que je commence tôt et puis qu'on prolonge aussi avec les adolescents. Mais ce sont des grandes questions philosophiques hein, que l'on se pose en fait dans ce type de cours. Mais il y a aussi des questions toutes bêtes, des questions qui sont d'ordre pratique, d'ordre juste technique aussi, et sur lesquelles j'imagine vous intervenez. Maëlle Chalon-Belval, par exemple. Oui. En fait, c'est souvent intéressant. Vous voyez, vous demandez comment se passe une séance d'éducation affective et sexuelle. Alors, je vais essayer de vous répondre. Nous, souvent, elle dure. Donc, on voit à peu près 10 000 enfants et adolescents par an. On est une équipe d'une dizaine. On intervient dans 18 départements. Et on voit des tout petits, à peu près CE1, CE2, jusqu'à des étudiants. Alors souvent, il y a d'abord un temps d'apprivoisement. Vous voyez, pour moi, ces séances d'éducation affective et sexuelle sont d'abord des rencontres. Donc, qui es-tu? Voilà, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Quels sont tes centres d'intérêt? Vous voyez, souvent, il y a un temps d'apprivoisement. Mais comme finalement, peut-être dans un rapport amoureux, dans un rapport sexuel, vous voyez, il y a un temps. Sauf qu'on ne vient pas avec une fameuse petite pochette. Non, dans la boîte un rapport à questions, je sais que vous la regardez. Mais la oui, parce qu'on a peu de temps et j'aimerais y venir. Alors, la boîte à questions, elle vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire, quand je te connais,
Je me dis que j'aimerais bien te poser cette question. Et donc, c'est vrai que je vous en ai rapporté plein de petites questions d'adolescents. Heureusement que je ne vais pas devoir répondre. Hein, parce que... Mais vous allez voir, elles sont variées. Et quand vous disiez, il y en a des très techniques, c'est vrai. Il y a des questions bêtes, jamais. En fait, elles sont très intéressantes. Est-il normal de regarder de la pornographie? Le sujet que vous abordiez. C'est quoi les LGBTI? Débat, est-ce qu'il y a un âge pour la première fois? Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Est-il possible d'attraper des IST en s'asseyant sur la cuvette des toilettes publiques? Infection sexuellement transmissible. Voilà. Et là, une question affective, après votre question d'IST, est-ce qu'on est obligé d'être en couple pour se sentir vraiment heureux? Quelle beauté! Quelle beauté! Alors, il y a aussi, dans l'enquête de février, hein, qui pointait du doigt un point précis, justement, sur le peu de cours dispensés, orienté en tout cas, vers la sexualité masculine davantage que sur la sexualité féminine. Par exemple, on voyait les termes comme pénis qui apparaissaient, mm-hmm. mais beaucoup moins comme clitoris. Pourquoi? C'est encore un peu tabou de parler de la sexualité des femmes? Oui, mais ça évolue. Ça évolue vraiment. En fait, peut-être en cours de SVT, mais dans les questions que les adolescents posent en éducation affective et sexuelle, je pense que les filles de plus en plus posent des questions sur le plaisir et plus seulement sur la douleur. Moi, vous voyez, ce qui me rendait un petit peu perplexe, hein, c'est qu'on avait de manière massive, est-ce que ça fait mal la première fois? Est-ce qu'on saigne la première fois? Est-ce que ça fait mal la première fois? Est-ce qu'on saigne la première fois? Et finalement, je vois de plus en plus de jeunes filles et de jeunes hommes qui s'intéressent au plaisir féminin. Et qu'est-ce qui, finalement, peut faire plaisir à une fille? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à ma femme? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à ma partenaire? Et je trouve ça très intéressant. Je pense quand même que vous voyez tout ce travail que vous faites, que les médias font, que les associations font, portent du fruit et que les adolescents vont nous tirer vers une définition de l'éducation à la sexualité qui ne soit pas que une mobilisation contre, mais qui soit une éducation à la sexualité pour, qui ouvre des horizons, qui ouvre un avenir, qui ouvre une vie heureuse et pas que une vie en bouclier à se protéger d'une IST, d'une violence sexuelle ou de je ne sais quelle menace. Et oui, c'est les angoisses qu'ont beaucoup d'enfants, effectivement, voilà. Beaucoup d'élèves de manière générale et puis l'enceinte de l'école aussi. Aussi, la société actuelle fait aussi qu'on est un peu angoissé. Votre avis là-dessus aussi, Inès de Franlieu, et vous parlez effectivement des images, hein, de performance, de cette idée-là qui est tellement fausse, et puis même de tous ces filtres qu'on voit sur Instagram, etc., qui sont très faux, où on a cette idée de vouloir ressembler à une telle ou à un tel, et qui n'est évidemment pas la réalité, bien au contraire. Oui, alors je pense qu'avec tout ça, il y a aussi à aborder avec eux la question du temps. Vous voyez, leur rapport au temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de précipitation dans la mesure où justement la sexualité est quand même très très présente dans les médias, dans les émissions de radio, mais aussi évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et moi j'aime évoquer avec eux la notion du temps. Voilà, les choses prennent du temps et on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé, c'est vrai qu'on n'est pas pressé dans la sexualité et on n'est pas pressé non plus à se dire est-ce qu'il faut, voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été là aussi un peu précipité et pour les jeunes, aujourd'hui, il faut être en couple pour être populaire. Je pense que des jeunes souffrent aujourd'hui quand ils ne sont pas encore en couple, quand ils ne se sentent pas encore amoureux et même quelquefois ils se forcent un peu à l'être parce que c'est pas possible de ne pas l'être, vous voyez. Oui, et moi comprends. Je pense que dans tout ce qui est ce qui me semble important de les rassurer, eh bien il y a ce rapport aussi au temps qui est à prendre en considération et leur dire vous avez du temps pour tout ça. Merci. Et ce qui est beau c'est quand la sexualité elle se prolonge dans le temps. Et peut-être pour qu'elle puisse se prolonger dans le temps, il faut que j'accepte de prendre du temps. Comme pour tout ce qui est beau et grand, ça ne se fait pas immédiatement. J'aimerais avoir tout le temps du monde de discuter avec vous, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, j'aimerais passer des heures, j'aimerais avoir ce temps-là. Mais non, malheureusement, il faut qu'on arrête là notre discussion. Mais c'était passionnant. Maëlle Chalambelval, merci d'avoir été avec nous. Votre livre, Oser en parler, savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants, édition Inter-édition, voilà, qui est disponible, sorti justement pendant cette fameuse période de Covid et qui a été bien utile pour beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Inès de Franlieu, merci mille fois d'avoir été avec nous. Deux livres également que l'on peut récupérer. Le premier, Dit en vrai, c'est quoi l'amour, aux éditions de l'Emmanuel, exactement qu'on voit à l'image maintenant. Et le second, Amour et sexualité, comment en parler aux enfants
et aux adolescents aux éditions Quasar. Voilà, que de quoi nourrir vos lectures le week-end, le soir, le matin, quand vous voulez, dans le métro, au boulot, n'importe où. En tout cas, ça nourrit les relations et les discussions avec les enfants. Merci mille fois d'avoir été là. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Rachel Marx. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravie. Vous êtes artiste plasticienne à l'origine du projet Symfolia, la création de l'arbre le plus grand du monde à l'occasion des JO 2024, les JO qui arrivent demain pratiquement, hein, c'est là. Pratiquement. Vraiment. Le projet est né d'un rêve que vous faites, un arbre. Et d'une rencontre quand même pas anodine, surtout en ce moment, avec Kylian Mbappé quand même. Ah oui. Sur Alice, c'est curieux de dire ça comme ça, mais racontez-nous ce projet, parce qu'on imagine l'arbre, on imagine que, effectivement Kylian Mbappé, on vous imagine vous, mais le 3 ensemble. Comment marche le triptyque ? Oui, 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 c'est quand même improbable ce que je vis. Bah, je vis mon rêve, en fait, au final. Ça s'est commencé à partir de vraiment mon rêve. Et puis, je pense que Kylian Mbappé aussi, il vit son rêve à lui. Et à partir de ce rencontre, j'ai vu que ça a bien matché, qu'il aide beaucoup des gens dans l'éducation, dans leur parcours de vie. Et moi, dans mon travail artistique, ça fait partie de ce que je fais aussi. J'aime beaucoup transmettre la curiosité que j'ai pour le monde et de rassembler du monde ensemble. Donc, je pense qu'on a les mêmes valeurs et donc ça a bien matché. Et voilà, on vous voulez dire que là. Si nous, par exemple, on a un rêve chacun, il suffit juste d'avoir des rêves et hop, le truc se réalise comme ça en 2 secondes. Eh bien, j'ai beaucoup non. de chance. Ça va Rachel dire. Marx, oui, je veux les vrais détails. Non, mais racontez-moi surtout le projet, l'idée en fait de cet arbre le plus grand du monde. En fait, comment est née cette idée? Parce que vous êtes très sensible à la nature, j'ai vu vos projets, j'ai vu tout ce que vous faites et vos créations. Oui. Effectivement, vous êtes très sensible à tout, aux arbres, à la vie, à la nature, à ce qui prend vie. Et vous les mettez effectivement en chorégraphie, vous les mettez aussi en scène en tant que plasticienne. Et donc, quel est le lien avec Kylian Mbappé et pourquoi le plus grand arbre du monde? Ok. Et en fait, en 2020, j'ai fait un grand projet au Grand Palais qui s'appelle Esse Promotem. Et c'était lors de cet événement qui s'appelle Change Now, c'est le plus grand sommet international pour le changement climatique, que l'association de Kylian Mbappé, qui s'appelle Inspired by KM, yeah. avec les enfants, sont venus voir mon installation. Et c'était vraiment un échange très, très riche avec les enfants, qu'on s'est dit que pourquoi pas travailler ensemble. Et le projet est vraiment né à ce moment-là. C'est génial. Alors cet arbre, vous allez le créer à la Philharmonie de Paris, qui est un très très bel endroit. Et puisque vous venez de débuter une résidence pour 20 mois de création. Exactement. C'est pas rien, 20 mois. 20 mois tous les jours? Tous les jours. 7 oui. sur 7. Vous allez notamment créer avec des enfants. Il y a 600 ateliers avec 20 000 enfants qui sont prévus. Il faut au moins tout ça pour créer justement le plus grand arbre du monde. Oui, et je pense que mon travail, le point final, c'est pas forcément l'objet qui est créé. C'est plus de process, c'est plus une performance que j'ai envie de partager avec les autres. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important le rôle d'artiste. Qu'est-ce que c'est d'être artiste? C'est de sensibiliser des gens à des sujets qui sont très importants dans notre monde aujourd'hui, comme quelle est notre place dans la nature? Comment est-ce qu'on peut préserver la nature? Et puis le bien-être ensemble, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement ouais, important. Le bien pour moi. Vivre, oui, c'est ça. Exact. Et de créer ensemble, justement. Ces enfants, ils viennent, j'imagine, de tous les univers. Ce sont des enfants que vous êtes allés chercher ou qui viennent à vous par le biais d'associations, par les établissements. Comment viennent-ils? Eh bien, déjà, il y a les enfants de l'association de Kylian Mbappé, mm-hmm. donc Inspired by KM, qui vient très souvent m'aider avec le projet. Et puis après, il y a des ateliers que le Philharmonie organise. Il y a les groupes scolaires, des adultes, etc. Donc, je travaille avec vraiment beaucoup de différents types de personnes pour ce projet qui est très enrichissant. Est-ce que Kylian Mbappé a
a pu s'impliquer un peu dans ce projet ou c'est uniquement via son association? Alors, c'est via son association, c'est sûr, mais il était présent. Vous l'avez rencontré? Oui, oui, j'ai rencontré, j'ai même passé sur scène avec lui. Il est extrêmement humble et très, très généreux, sympa. Et on est passé présenter le projet ensemble à la Philharmonie l'année dernière, en février. Alors, cet arbre, justement, comment est-il créé et à partir de quoi? Parce que j'ai lu que pour créer les écorces de lave, vous utilisez des partitions, c'est exactement. Ça exactement. Et des vieux livres. Que du recyclage. Que du recyclage. Alors, encore, ça fait partie de ma démarche artistique, de sensibiliser des gens à la nature et de recycler. Et à notre diversité du monde. Mmh. La diversité du monde naturelle, mais aussi la diversité de notre culture. Donc, j'ai commencé à travailler avec des livres, parce que j'ai vu plein de livres par terre. Et j'ai commencé à les ramasser. Et je me suis dit que c'était dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de connaissances qui sont perdues. Et je trouve que c'est un peu une métaphore pour comment on traite notre planète aujourd'hui. Le papier vient des arbres. Donc, mon rôle en tant qu'artiste, c'est de les rendre à leur source. Mais mes sensations ne sont pas juste des arbres, c'est des témoignages de la relation entre l'humanité et la nature. Et la culture, évidemment, qui se perd, qui peut être jetée, dont on a besoin justement pour pouvoir relever tous les défis que la planète nous donne. Ce que j'adore, c'est que parfois, j'utilise des livres où c'est des sujets qui ne s'entendent pas du tout, ou des pays ou des langues qui ne s'entendent pas, et là, ils vivent en harmonie ensemble. Et c'est ce qu'il faut qu'on revienne vers ça. Il faut qu'on revienne vers le bien-être ensemble, de célébrer la diversité. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques, je pense que c'est vraiment le plus grand événement qui célèbre la diversité du monde. Donc, les partitions, c'est la musique qui est la langue universelle. Donc, c'est le plus grand arbre du monde, dans un langage universel, avec des livres qui racontent l'histoire de toutes ces personnes qui se passaient dans l'atelier, qui d'ailleurs, sur les petits bandeaux de livres, ils écrivent un vœu pour la nature, un engagement pour la nature, qui vont être inclus dans tous les cernes qui vont être dans cette installation. Et qui raconte l'histoire de ces gens qui sont... C'est fabuleux, moi aussi j'ai envie d'écrire un petit mot. Alors vous êtes également professeur de langue, c'est ça? Vous enseignez quelle langue? Alors je suis professeur d'art. D'art, en fait. Pardon, alors j'avais un mauvais... Mais oui. Professeur d'art, oui. D'accord. Vous enseignez quoi comme type d'art? Alors j'enseigne le process artistique dans une école américaine basée ici à Paris, le Parsons Paris. Et c'est plutôt le process artistique. Et d'ailleurs, dans les ateliers avec les enfants, on pratique ça aussi. C'est qu'on ne va pas juste avoir une idée et aller le faire. Il faut s'intéresser aux autres. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut faire des esquisses. Il faut tester des matériaux différents. Et puis ensuite, peut-être qu'on pourrait arriver à avoir une voix poétique qui pourrait raconter notre message principal. Alors le message principal aussi, quand on est enseignant, quelle que la matière que vous enseignez d'ailleurs, peu importe, l'art évidemment encore plus, c'est la transmission, le fait de transmettre quelque chose. Oui. Est-ce que c'était essentiel pour vous dans votre travail, dans n'importe quelle situation depuis que vous avez commencé votre carrière? Ah oui, ça c'est sûr que c'est le plus important, c'est le point le plus important de mon travail, c'est la transmission, c'est de rendre les gens curieux et de voir les petits détails de la vie que peut-être on aurait zappé, mais là, d'un coup, on trouve la poésie dans les choses qui sont jetées par terre, c'est fabuleux, et on le vit ensemble. Et la transmission, vous la vivez lorsque vous enseignez, mais vous la vivez aussi à travers vos projets, dans la façon dont vous nous le présentiez tout à l'heure, notamment avec les enfants. Il y a une forme de transmission également pour réaliser votre projet. Oui, exactement. Je parle de l'importance d'être artiste aujourd'hui, de l'importance que chacun a dans la préservation de notre planète et du bien vivre ensemble, d'accepter la diversité et de célébrer la diversité entre chaque personne. Peut-être que le thème de l'écologie aussi et de la protection de l'environnement sont des thèmes qui sont favorables pour tous ces enfants qui ne sont pas sensibles à l'art ou qui n'ont pas la chance de pouvoir être instruits par rapport justement à l'art et à la culture artistique de manière générale, pour les amener tout doucement de l'écologie vers l'art. Oui, bien sûr. Je pense que l'art, encore, c'est une bonne manière de transmettre des idées, que ce soit sociale, sur la nature, politique. L'art, c'est quelque chose qui touche les émotions.
C'est une expérience qu'on vit tous ensemble qui touche vraiment très profondément. Donc je pense que c'est vraiment une bonne manière de transmettre des idées. Ou dans l'autre sens aussi, c'est ce que disait Virginie, je crois, le fait que l'écologie touche énormément les jeunes générations et que ça permette de les sensibiliser finalement aussi à l'art dans ce sens-là également. Effectivement, oui. Ouais. Alors cet arbre, ce plus grand arbre du monde, donc on le verra dans 20 mois si j'ai bien compris. Exactement. Tu vas bien. J'espère qu'on sera invité et on pourra le voir. Et alors il va rester, il sera où? On pouvait déjà donner des informations ou pas? Qu'est-ce que... Oui, absolument. Donc la production de l'arbre va terminer mi-avril 2024 et on va commencer l'installation sur place. Ouais. Donc là on est en train de préparer plein d'écorce et des cernes de 4 mètres quand même. Wow. Et on va créer plus que 1050 mètres d'écorce. C'est quand même fabuleux. Ah oui, c'est énorme. Il faut avoir des compétences en mathématiques pour faire tout ça, parce que quand Absolument. Ça, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'à la fin de tous mes ateliers à la philharmonie avec les enfants, j'en parle de ça. Je dis, mais les maths que vous êtes en train d'apprendre, ça sert à quelque chose. Je dois faire appel à un ingénieur, je dois travailler avec des assistants, je dois calculer des heures, le poids, etc. Donc j'en parle des structures internes pour qu'ils comprennent globalement aussi qu'est-ce que c'est de créer un projet aussi grand. Un dernier petit mot, Mickaël, sur le talent. Je trouve ça formidable. Un petit mot, est-ce que vous avez un pronostic sur les performances de Kylian Mbappé sur cette Coupe du Monde? Il est toujours fabuleux, hein. Il fait toujours une très belle performance. Bon, on vous souhaite bonne chance pour le match de samedi. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Rachel Marx, d'avoir été avec nous. C'était passionnant de discuter avec vous de ce projet, effectivement, du plus grand arbre du monde qui va démarrer, sa création de cet arbre, cette œuvre magistrale à la Philharmonie de Paris. Une résidence qui va durer donc 20 mois, hein, je le rappelle. 600 ateliers, c'est ça? 600 ateliers. Waouh. 20 000 enfants prévus. Et des enfants qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de pouvoir avoir accès justement à l'art de manière générale. Donc voilà, c'est formidable aussi de pouvoir créer ce lien entre les uns et les autres. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. J'espère bientôt. Que vous reviendrez pour nous reparler quelques semaines avant de cet arbre. Tout de suite, on va surfer sur le net avec la chronique de Mickaël Dorian. Mickaël, vous nous parlez aujourd'hui d'un tout nouveau réseau social et pour ça, vous nous emmenez aux États-Unis, à Palo Alto. Palo Alto, en Californie, au cœur de la Silicon Valley, en tant que geek, rien que le nom me fait rêver et pas parce qu'il y a le mot silicone à l'intérieur, Virginie. La Silicon Valley, Eldorado des géants de la tech. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui s'y trouvent. Alors Facebook, Instagram, bien sûr, Twitter n'est pas loin, ils sont à San Francisco, c'est juste à côté, enfin pour le moment, puisque Elon décidera peut-être de déménager comme il l'a fait avec Tesla. Oui, je l'appelle Elon. Elon, oui, c'est ça, c'est un pote. Ouais, Tesla, dont le siège de Palo Alto a déménagé au Texas l'année dernière. Dans la Silicon Valley, on trouve aussi les sièges de Google, Apple ou encore Netflix. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour cette petite visite, Mickaël. On se recycle. Hein, voilà. Mais alors, pour en venir au fameux réseau social, qu'en est-il ? Fizz, c'est son nom, créé à la fin de l'été 2021. Il emploie actuellement 22 salariés dans une maison de... De Palo Alto, merci de suivre, Virginie. Ce réseau social a une particularité, il faut pour s'y inscrire vivre aux États-Unis, être étudiant et être étudiant dans certains campus uniquement. Alors vous allez me dire que c'est ultra réducteur, mais souvenez-vous, en 2004, un certain Mark Zuckerberg, alors étudiant à Harvard, crée pour son campus uniquement FaceMatch, qui deviendra ensuite The Facebook, puis Facebook. Le site s'est ensuite ouvert à d'autres campus avant de s'ouvrir au monde. On peut donc souhaiter le même avenir à Fizz. Car c'est un peu la même histoire, hein. Finalement, les créateurs de Fizz sont deux anciens étudiants de Stanford et la plateforme a d'abord été créée pour les étudiants de Stanford uniquement. D'accord, et quelle est la particularité de Fizz donc ? Par rapport aux autres réseaux sociaux, vous voulez dire ? Ben, il n'y en a pas. Très bien. C'est intéressant. Okay. Fizz permet de publier des messages écrits, des photos, ainsi que des sondages sur la vie de son campus, donc
rien de révolutionnaire en 2022. On peut aussi échanger sous couvert d'anonymat, mais ce qui change, je vous le disais, c'est que pour s'inscrire, il faut être étudiant à Stanford ou dans les quelques campus affiliés. Il faut donc avoir une adresse mail spécifique en .edu et non pas en .com. Une petite différence qui a son importance, ça veut dire que si un utilisateur se fait bannir du site pour injure, incitation à la haine ou autre, il ne pourra pas revenir simplement en créant une autre adresse comme ça se fait souvent sur les autres réseaux sociaux. Tout utilisateur banni l'est donc définitivement, à moins de changer d'université, mais ça c'est évidemment un peu plus compliqué. Et toujours au sujet de la modération, là aussi il y a une spécificité, elle est opérée en partie par une intelligence artificielle, mais surtout par une quinzaine d'étudiants de chaque université rémunérés pour ce travail, car comme ils font partie des universités, ils connaissent et interprètent mieux le contenu des discussions que des modérateurs lambda. Et vous dites que ça marche ? Ça cartonne même. Alors, à son échelle, évidemment, puisque 95% des étudiants de Stanford sont inscrits et l'utilisent. Alors, ça fait plus de 16 000 personnes, mais c'est pas mal, hein, 16 000 personnes pour un début. Oui, oui, pourquoi pas, c'est un début, de façon, hein, Facebook a démarré aussi avec 16 000 personnes, absolument. J'imagine, à un moment. FIZ est installé aujourd'hui dans 6 autres universités. Ils espèrent conquérir un millier d'autres campus d'ici l'an prochain. Et pour ça, ils entendent s'appuyer sur le nouveau PDG et premier investisseur de FIZ. Il s'appelle Rakesh Mathur. Il vient tout de même de faire une levée de 4,5 millions de dollars pour FIZ. C'est pas rien. Alors pour l'instant, FIZ, qui se présente plus authentique qu'Instagram ou Snapchat, ne génère aucun revenu. Une piste pour changer cela, c'est d'en faire un marché en ligne où les étudiants pourront facilement vendre leur vélo ou leurs livres. Bon, donc peut-être que c'est la dernière fois qu'on parle de FIZ, en fait. Peut-être aussi. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël, en tout cas. On retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers cette semaine. Son invité est Dorothée Pousseau. Pour faire Margot Robbie, vous, c'est pas n'importe qui vous a choisi. Non. Comment vous savez? Ah, vous avez mené une petite enquête. Ouais, ouais, j'ai été. Je pouvais mourir en paix après ça. J'ai été choisie par Scorsese, en fait, lui-même, sur Le Loup de Wall Street, où à la base, il y avait une autre comédienne super qui avait fait la bande-annonce. Et puis, il a dit elle est très bien et tout ça, mais elle n'a pas la voix de Margot Robbie, qu'elle a cette voix cassée, je veux vraiment la même voix qu'elle. Donc, la directrice de plateau, Danielle Perret, que j'aime énormément et qui j'aime beaucoup, beaucoup travailler, pense à moi. Et puis, je passe un essai, on est trois. Et en fait, c'est Scorsese qui... Alors, ils sont quelques-uns, comme ça, à choisir toujours leur comédien eux-mêmes. Ouais, dans toutes les langues. Qu'il y a pas ils le sont temps hyper de faire... leurs films, ouais. Ils le font de A ouais. À Z, en passant par tous hyper les pays. Hyper minutieux, ouais. Et donc, en fait, il a reçu les essais et il m'a choisi. Donc, il a écrit un mail en disant, je veux... number 3, ou je sais pas combien, je sais pas quel numéro j'étais, voilà. Mais non. Et donc j'ai été choisie. Dorothée. Voilà, donc j'étais hyper contente, enfin évidemment, c'est des... Oui, j'allais vous dire, c'est pas s'ils doivent choisir dans chaque langue la personne. Oui, il choisit tout le monde. Enfin, sur ses comédiens principaux, hein, pas sur les petits rôles, mais sur DiCaprio, Margot Robbie, etc., sur ses comédiens principaux, il choisit tout le monde dans toutes les langues, ouais. Bah, surtout le français. Le français, c'est la première langue exportée, hein. Ah bon? Ouais. Donc, c'est nous qui avons le plus de doublage et c'est nous qui avons inventé le doublage. Mais non. Et oui, c'est les Français. Quand ça? C'était à peu près, mais c'est vieux, c'est à peu près 1930, je dirais. D'accord. Parce qu'en fait, quand il y a eu les films de Laurel et Hardy qui sont arrivés, les films étaient... Donc, ils tournaient dans plusieurs langues. Ouais. Pour pouvoir exporter leurs films, qui cartonnaient à l'étranger. C'est pour ça que Laurel et Hardy, ils parlent comme ça, puisque c'est vraiment Laurel et Hardy qui parlaient. Qui ont doublé... c'était leur propre voix qui tournait. Sauf qu'ils se sont rendus compte, des producteurs, que ça coûtait un fric fou. Parce que tourner quatre fois la scène dans quatre langues différentes, c'est quatre fois plus de temps de tournage, donc quatre fois plus d'argent. Donc ils se sont dit, oh là là, mais c'est pas très rentable, ça nous coûte beaucoup trop cher et tout. Donc on arrête. Donc ils ont arrêté. Sauf que les Français se sont dit, bah non, mince, nous, c'est les films de Laurel et Hardy, c'est génial. Ça cartonne en France, nous, on perd ça. Ouais. Et donc ils ont inventé le doublage. Et les premiers films doublés ont été les films de Laurel et Hardy. Et ils ont inventé cette solution de parler sur le comédien. C'est avant l'arythmo, on travaillait au time code, c'est-à-dire le temps qui défile au-dessus. On voyait que là, il ouvrait la bouche. Oui, après, ouais, sinon développé. Ça peut faire très bizarre. Oui. Voilà, et c'est nous qui l'avons créé. Et en fait, c'est pour ça que les premiers comédiens qui ont doublé Laurel et Hardy ont continué à parler comme ça. Donc si vous regardez Laurel et Hardy, les tout premiers films ou les tout derniers, ils ont toujours l'accent parce qu'on a gardé. Parce qu'on s'est dit, si d'un coup on les fait parler comme un Français, alors qu'on n'a jamais entendu parler comme ça, ça va faire bizarre en effet. Voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Dorothée Pousseau, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain!
Merci Malika, merci Dorothée, à demain. Allez, tout de suite, c'est l'heure du Zap, c'est le meilleur de School TV. Les plateformes essaient de montrer patte blanche en matière de protection des mineurs. Les données des mineurs sont des données encore plus sensibles que les autres, Arthur. Les données des mineurs sont sensibles au même titre que celles des adultes, il me semble. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est de s'intéresser autant à la protection de nos données personnelles et de notre vie privée quand les plateformes dont on discute, donc ces grands réseaux sociaux, ont pour principale vocation l'affichage public de notre vie privée le plus largement si possible. Quand on s'intéresse uniquement à la protection des données personnelles, je pense qu'on manque le tableau général de l'objectif des plateformes numériques. Et si on comprend mieux cet objectif, on comprend mieux les effets qu'elles ont sur la perte de vie privée, mais pas uniquement, aussi sur tous les problèmes psychologiques et de santé mentale occasionnés pour les enfants. En un mot, si vous prenez Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes ont des fonctionnalités assez distinctes, mais elles partagent exactement le même objectif, la même logique de profit, qui est de construire des audiences gigantesques de plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards d'utilisateurs, de capter leur attention et de convertir leur attention en revenus publicitaires. Ces plateformes sont en compétition permanente pour extraire le temps d'attention des enfants et des adultes. Et ça a énormément de conséquences sur la santé mentale, sur la psychologie des enfants. Et quand on croit protéger les mineurs en protégeant uniquement leurs données privées, je pense qu'on s'en trompe assez lourdement. Comment choisir la bonne pédagogie pour son enfant ? Ça va dépendre de votre enfant. Moi, je sais que j'ai découvert la pédagogie Steiner assez tard. Mon fils, qui a aujourd'hui 20 ans, lui a démarré dans le système traditionnel, école publique, de quartier. Et j'avais déjà remarqué en maternelle qu'il se passait des choses. Je trouve qu'on découvre comment son enfant apprend. Et moi, je participais j'emmenais les petits de sa classe, comme font des mamans, parfois on emmène, et je voyais qu'il y avait des différences entre chacun, nos enfants sont tous différents. Mm-hmm. Je lui dis, tiens, c'est bizarre, parce que la maîtresse, elle veut apprendre à tout le monde absolument de la même manière. Ils étaient en moyenne section, il y avait vraiment une normalisation que j'avais repérée. J'avais commencé à faire des recherches sur Montessori, à cette époque, et je m'étais intéressée. Puis mon fils réussissait bien, donc j'ai laissé, ça fonctionnait. Et c'est vraiment 10 ans plus tard que j'ai mes petites qui sont nées, j'ai des jumelles. Et là, j'ai eu envie d'autre chose parce que j'observais beaucoup d'enfants en peine. Je voyais mon fils avait été jeune adolescent et je trouvais que c'était difficile. Et c'est là que j'ai recherché davantage. J'ai regardé aussi de plus près encore Montessori. J'ai découvert Steiner. Et là, moi, ce qui m'a plu dans la pédagogie Steiner, c'est ce contact avec la nature. Les écoles Steiner sont très souvent dans la forêt. Mes filles sont tous les jours, très très proche de la nature, et ça m'a plu. Je trouvais surtout dans le monde actuel où on a vraiment besoin de ce contact. Donc moi, c'est ce qui m'a amené à me diriger davantage vers cette pédagogie pour mes enfants. Et vous avez vu un changement avec votre fils qui est passé du système classique à un système alternatif ? Ah oui. Lui, le lycée traditionnel lui convenait plus, en tout cas à lui. Et il avait vraiment perdu le goût d'apprendre. Il avait l'impression d'être un vase qu'on remplit, qu'on veut faire déborder. Et il perdait sa flamme, vraiment. Moi, j'ai été très triste de voir ça, cette courbe descendante. Et puis voilà, il a découvert, je lui ai proposé de découvrir, d'aller en essai. Dans cette école, ils l'ont pris à l'essai. Ils ont dit, on sait aussi une période où on s'évalue, ça va dans les deux sens. Est-ce que toi, tu as envie ? Est-ce que nous, on a envie aussi de t'avoir ? Est-ce que tu correspondras ? Est-ce que tu t'intégreras dans le groupe ? Puisqu'il était grand quand il a rejoint, il avait 16 ans. Et il a beaucoup aimé cette possibilité qui lui a été donnée de s'exprimer à nouveau, d'aller d'une proximité avec les professeurs, pouvoir même déjeuner avec eux. C'était incroyable pour lui d'oser poser des questions personnelles, de débattre, d'être dans un groupe avec des profils différents. Une véritable ouverture d'esprit, qu'il a beaucoup aimé, et il a continué, il est dans des belles études, ça a freiné en rien.
Parce que c'est la saison des conseils de discipline. On rappelle le principe, c'est une procédure très, très codifiée. Très codifiée parce que le droit, c'est une protection contre l'arbitraire. Et justement, parce qu'on a ratifié la Convention des droits de l'enfant, en fait, on considère en France, comme dans beaucoup de tous les pays qui ont ratifié, que l'enfant est un sujet de droit. Et donc, si on veut, on a une procédure disciplinaire d'engager, on doit respecter un certain nombre de principes généraux du droit pour un enfant comme pour un adulte. Il doit normalement, s'il est condamné, avoir une sanction éducative. C'est quoi une sanction éducative? Alors c'est tout le problème, parce que souvent quand on convoque un conseil de discipline, c'est que souvent on veut expulser l'enfant, enfin expulser, exclure définitivement l'enfant. Et donc c'est important de savoir que normalement c'est la sanction... C'est pas super éducatif. Voilà, elle est censée être éducative. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les mesures de responsabilisation. C'est l'équivalent du travail d'intérêt général qui n'est jamais prononcé. Enfin moi, en 20 ans, je n'ai jamais eu aucun conseil de discipline qui prononce une mesure de responsabilisation face à un élève qui a commis un manquement, voilà, d'aller le faire travailler dans une association. Ou voilà, jamais. Moi, en tout cas, dans aucun des conseils de discipline auxquels j'ai assisté, souvent, la peine qui est demandée, la sanction qui est demandée, c'est l'exclusion définitive. Votre lapsus, c'est intéressant, parce que vous dites la peine comme si on était au tribunal. Oui. Certains qualifient d'ailleurs les conseils de discipline de tribunaux d'exception, parce que les règles qui prévalent dans un vrai tribunal ne sont pas du tout respectées. Ce n'est pas un espace de droit. C'est tout le problème, c'est-à-dire que le chef d'établissement, il fait office de police, puisque c'est lui qui enquête. Ouais. Procureur, c'est lui qui va demander l'exclusion définitive, en général. Et après, juge, sachant que le chef d'établissement à la voix prépondérante et souvent quand même une manière va avoir faire pas pression moralement, on va dire, sur les membres pour aller dans un certain sens de décision. Donc c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. On n'accepterait pas, par exemple, pour un salarié, que ce soit l'employeur qui décide si les manquements étaient commis ou pas. Aujourd'hui, il faut que ce soit des gouvernements qui orchestrent cette protection en ligne des mineurs, Redouane. Premièrement, c'est leur job. C'est par là que tout commence. Et j'irai même plus loin, je vais faire un peu l'avocat du diable aujourd'hui. Je pense que c'est un peu trop facile d'un côté d'incriminer Facebook, TikTok, Twitter, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, si les enfants sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les parents le permettent. Donc je pense que les premiers incriminés, d'abord, c'est les parents avant d'incriminer les entreprises. Ça, je pense qu'il faut, aussi remettre ça dans le débat, parce que à partir du moment où on donne à un enfant au collège, même en primaire, un smartphone, qu'on lui donne un accès à Internet, qu'on lui donne du réseau, qu'on lui permet d'avoir un abonnement sur Facebook, Instagram, TikTok, le premier responsable, en tout cas pour moi, c'est les parents. Après, effectivement, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité, parce que c'est vrai que sur certains réseaux, lorsqu'il y a des signalements, ils mettent un peu de temps à les prendre en compte, ils mettent un peu de temps aussi à corriger ça, ils attendent des événements pour le mettre en place, ils attendent que l'autre réseau ait pris de l'avance et après de recopier un peu le modèle. Mais après, je pense aussi que pour les mineurs, il y a des réseaux qui sont plus dangereux que d'autres, parce que ça attire plus de prédateurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, là où il y a beaucoup de mineurs, où il y a une grosse influence, il y a Snapchat et TikTok. Que pensez-vous des écoles alternatives qui sont accusées d'être hors de contrôle, d'avoir une certaine emprise mentale sur les enfants? Justement, ce que je pense, c'est que c'est bien dommage. C'est bien dommage que toutes ces pédagogies, qu'on dit alternatives, etc., soit quand on est dans les écoles privées. Je pense que justement, tout enfant devrait pouvoir profiter d'une pédagogie adaptée à son niveau scolaire, à son milieu social, à sa vie en tout. Hein. Et que justement, je pense justement que le budget de l'éducation nationale devrait être surtout pour le public et tout ce qui va dans le privé, que ce soit hors contrat ou conventionné ou quoi que ce soit, eh bien, c'est de l'argent au moins qui va pour les écoles publiques et les enfants, tout venant de n'importe quel quartier. Voilà, c'est ce que je pense. Petit jeu aujourd'hui, j'aimerais savoir d'après vous tous les deux, qu'est-ce qui est le moins, si on parle calories, le moins calorique entre un cheeseburger, une salade chicken César ou un wrap? Je vais vous demander à vous, parce que je suis sûre qu'il a la réponse. Moi, je dirais le wrap. Le wrap serait moins calorique pour vous. Eh bien, raté, c'est le cheeseburger qui est le moins calorique. Alors, pourquoi un cheeseburger? C'est tout simplement un pain hamburger. Ça a l'air pas calorique du tout, on voit la photo.
plutôt. Hein. Bah, ça n'a pas l'air, mais effectivement, c'est quoi? C'est un steak haché de bœuf, une tranche de cheddar fondu, une rondelle de cornichons, des oignons, du ketchup et de la moutarde douce. Hein, ça, normalement, c'est comme ça. Pour parler un peu chiffres, 302 kilocalories pour un cheeseburger, ce qui fait 12 grammes de matière grasse. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile environ. Bref, d'accord. Ce qui augmente la note, c'est le cheddar. Mais ouais. Oui, parce que sinon... Dans le cheeseburger, le problème, c'est cheese. C'est cheese, sinon okay, on prend le hamburger pour la deux. On prend le hamburger, lui, il n'y a plus la tranche voilà. Et on est beaucoup ce moins. Ce que j'ai toujours dit. Effectivement. Ensuite. Ben voilà, le hamburger, il fait combien d'ailleurs? Alors, le hamburger, lui, il compte que 253 kilocalories, ah, ben voilà. 8 petits grammes de matière grasse, voilà. Bon, ensuite, entre le. On a parlé wrap. Et cheeseburger, la salade, parce que moi j'allais vous répondre, c'est la salade, la chicken César, qui est la moins calorique. On pense hein, souvent. Alors ça va jouer vraiment. Il y a des trucs verts. Il y a des trucs verts, mais il n'y a pas que en des quantité. Trucs verts, effectivement. Non. Alors entre les deux, ça va jouer un peu. Par exemple, le wrap poulet crudité, c'est une galette de blé qui est garnie avec du poulet pané, et ça a son importance, ah, accompagné ouais. De trucs verts, batavia, rondelles de tomates, oignons frits, avec une sauce citronnée. Là, on est sur du 544 kilocalories avec 26 grammes de matière grasse, ah. En d'autres termes, quasiment 2 cuillères à soupe d'huile dans le c'est quasiment deux fois plus gras que le cheeseburger. Quasiment que le cheeseburger. À cause de quoi du, alors, de la panure hein. Effectivement, ouais, à cause des oignons qui sont frits, et puis la petite sauce qui s'ajoute. Et effectivement, la salade, elle... C'est un piège, la salade c'est César. C'est un piège, oui. Elle parce compte que combien? Elle va compter... Quasiment comme le wrap, 536 kilocalories, mais 33 grammes de matière grasse, c'est vraiment le double. Enfin, c'est beaucoup plus hein, que les deux autres, quoi qu'il arrive, on est sur des grosses quantités de gras. Pourquoi? Parce que oui, on a des trucs verts, comme vous disiez, salade romaine, batavia, on a du poulet, mais il est pané, on a des tomates cerises, on a des copeaux de fromage en certaines quantités, des croutons, et le tout accompagné d'une sauce César de 30 grammes, ce qui est quand même beaucoup. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci, Mickaël. Merci, à demain. Demain, tout à fait, demain. Dernier jour pour vous demain, Mickaël. Dernier jour pour moi demain, effectivement. Mais quelle tristesse. Mais comment je vais faire, moi? Ah, Mickaël. Mickaël Dorian, ici présent. Grand journaliste devant la vie. Mickaël. Belle imitation, Michel. Mais j'adore, je ne sais pas. Vous le retrouvez, évidemment, en canal 247 sur les Freebox, cooltv.com, bien entendu. L'équipe aujourd'hui, Raphaël Morel à la réalisation. Au son, c'est Alexis Oustabassidis, Laure Audemont au maquillage et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très bonne soirée à tous et à demain. Ciao.